Au quotidien, dans le bureau, on avait l'habitude de beaucoup plaisanter avec l'équipe et c'est quelque chose qu'on a gardé en remote, mais on s'est rendu compte que ça pouvait vite parasiter les canaux de discussion de travail et du coup on a créé des canaux dédiés. Et pour la rétrospective, on a opté pour un outil de tableau blanc virtuel en ligne, ce qui permet aux membres de l'équipe de laisser libre cours à leur créativité en insérant des images ou des dessins lors des rétros, ce qui a permis de conserver le côté bon enfant de l'équipe. Effectivement, la bonne ambiance est la valeur clé citée par les Escariens. Donc la communication professionnelle n'était pas la seule chose à maintenir pour nous, Scrum Master. Nous avons donc décidé de mettre en place des apéritifs jeux de société pour le soir ou des pauses café gaming ouvertes à toute personne disponible souhaitant faire un break. Bref, nous avons fait en remote ce que nous faisions au quotidien en présentiel. L'ambiance a toujours été un point fort de notre équipe. On avait déjà tendance à plaisanter en présentiel. Donc maintenant, on le fait juste à travers des salons vocaux. De plus, on est des gens assez joueurs, donc on joue sur la pause de notre millier d'eux. On le faisait chez Esker, maintenant on le fait chez nous. Honnêtement, dans mon équipe, il a été très difficile d'intégrer la convivialité dans cet environnement en 100% télétravail. Toutes les tentatives virtuelles n'ont pas vraiment fonctionné et naturellement, à la fin du confinement, ils ont organisé des sorties d'équipe. Nous, on a eu à peu près la même chose, c'est-à-dire que du coup, à la sortie du confinement, on a organisé un certain nombre d'activités ensemble le soir, comme des foot en salle. On a même fait une randonnée aussi ensemble le week-end. Donc moi, au contraire, je trouve que ce confinement nous a plutôt rapprochés plutôt qu'éloignés. Non, non, je suis pas prêt du tout. Qu'est-ce qu'on dit? Ça, vous pouvez vous présenter. Oui. Donc effectivement, au quotidien pour... Ok, échec. Honnêtement, dans mon équipe, il a été très difficile d'intégrer... Allez, on recommence aussi. Non. Non. Ah, ok. Pour nous, le plus dur, ça a été de trouver le bon canal de communication, car nous ne sommes pas masse... Ah. Là, vu qu'on s'est foiré, on a recommencé, donc du coup, des immersions, c'est mieux. Tout d'abord, il a fallu accompagner l'équipe pour que... Attention, ça tire le... Ouais. J'ai senti. Ouais, non, mais ce câble, on dirait que c'est ma femme qui s'en est servie tellement son tortillé. Non, mais. What? On apprend des choses comme ça. Ah, ça m'énerve les câbles en tortillé, je ne supporte pas ça. Mais ils sont toujours prêts à assister les autres. Rires.